globalement sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a aucun incident, aucune difficulté, donc les examens se passent très bien. Rappelez encore une fois que nous avons 1150 environ centres et que les dispositions ont été prises aussi même pour les enfants en situation d'handicap. Rappelez aussi que le processus a été digitalisé de l'inscription à la proclamation des résultats et que les différents acteurs, notamment les IA, sont en mesure de suivre le processus, d'interroger en temps réel. Donc tout cela participe à la sécurisation donc, du process. Nous avions aussi partagé avec les élèves et les parents d'élèves les règles de conduite au moment de passer l'examen. Et jusqu'ici, les choses se passent très bien sur toute l'étendue du territoire. Je viens de rencontrer certains élèves qui sont sortis aussi de salle. Ils sont très relax, ils sont très confiants. Et les épreuves qui ont été soumises étaient des épreuves qui semblaient maîtrisées. Donc ils n'étaient pas du tout déroutés, dépaysés. Donc tout cela est rassurant. Nous pensons que pour la suite donc, des épreuves et de l'examen, tout se passera très bien, en tout cas on l'espère. En fait, ce que l'IA et en rapport avec le DESCO ont fait, c'est d'identifier dans toute la zone les élèves donc, en situation de handicap et ils en ont dénombré 4. Et donc ces 4 élèves en situation de handicap, au lieu de les laisser dans des établissements en général, donc il y a de façon spécifique l'organisation d'un établissement pour que ces élèves-là en situation d'handicap puissent aussi passer dans de bonnes conditions l'examen. Rappelez que pour les non-voyants, les épreuves ont été traduites en braille. Pour les malvoyants aussi, il y a eu un agrandissement de la police pour permettre à ces élèves, à ces enfants de passer correctement l'examen. Et ceux-là qui ont d'autres handicaps aussi, les dispositions ont été prises. Tout dépend aussi du nombre d'élèves donc par centre. Mais le plus important, c'est de s'assurer qu'ils sont dans de bonnes conditions. Les 2 par table, c'est correct. L'idéal serait été d'avoir 1 par table, bien sûr, mais 2 par table. Et en fonction aussi de la situation, on renforce par un peu plus donc, de surveillants. Donc à ce niveau-là, tous les surveillants sont présents. Il y a 0 absent dans les 2 centres d'ailleurs visités. Et dans l'ensemble des centres aussi, il n'y a pas de surveillant absent. Par contre, dans ce centre-ci, par exemple, on compte environ 6, un peu moins de 6 donc absents, comme dans l'autre centre. Et généralement, ce sont des élèves qui sont des candidats libres. Mais les élèves régulièrement inscrits dans les établissements toute l'année, très souvent, il n'y a pas d'absent ou d'absence donc signalée.